crotte qui a circulé sous la table. Et ce qu'on a mis dessus, c'est de l'huile de noix de coco pour éviter que ça coule. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. C'est parti. Voilà, donc là, le sucre, instantanément, il va retomber à 100 degrés. Hein. Et c'est toujours à ce moment-là, sur cette table, bah, qu'on incorpore les huiles essentielles, les arômes, les colorants. Hein. On n'incorpore jamais rien directement dans la cuillère de la carotte. Bonjour la mirabelle. Et là, bah, vous allez vous apercevoir que la table a déjà fait son boulot. Hein. Allez. Et là, on a un bonbon de 12 kg à la Mirabelle. Il va être simple, hein, il va falloir répartir tout ça correctement à l'intérieur de la pâte à sucre. Donc, pour répartir tout ça correctement, on va y aller par phase de pliage. Et à force de replier cette pâte, dans quelques minutes, tout sera bien mélangé et on pourra passer à la fabrication. Là, en termes de température, on est aux alentours de 85-90 degrés, mais c'est ce qui va nous permettre de mélanger. Une pâte à sucre, passer la barre des 50 degrés, quoi qu'il se passe, c'est déjà dur et cassant, on ne pourrait plus rien en faire. Comme je dis souvent, un confiseur, les 15 premiers jours, ça pique un petit peu les doigts, puis après on est habitué, hein, comme les boulangers, les cuisiniers, hein, toutes ces professions qui ont l'habitude de manipuler du chou. Elle est déjà presque mélangée. On va l'amener à 75 degrés et on va pouvoir fabriquer instantanément. Ouais, c'est un petit peu comme un millefeuille, hein, ça y est. C'est bon, Max, Thierry? Bon, n'hésite pas à frotter sur le bord de la cuve. Ça, c'est juste un petit peu d'eau, ça nous permet de cuire un petit peu pour éviter que ça caramélise. Bah, tu me dis après, Max, hein, quand tu veux. T'es prêt? Ouais, vu que j'ai changé les cylindres, il faudra que je prenne déjà un petit morceau en premier. Voilà, donc là, ça y est. On va dire que la pâte, elle est mélangée. Hein. On est aux alentours de 75 degrés. Ça va être le bon moment, hein, pour découper des petits morceaux de pâte qui vont passer ensuite dans les cylindres. Hein. Les cylindres, c'est ce que vous verrez au départ de la machine. C'est ce qui va leur donner leur forme. Et pour les refroidir rapidement, bah, tout le long du tapis, les boîtes, c'est des ventilateurs. Et avec ce qu'il y a là-dedans, on va faire 5000 bonbons à la Mirabelle en quelques minutes. Alors oui, on n'a pas l'impression qu'il y a 5000 bonbons là-dedans. Tiens, vous allez voir, ils vont se casser, ils vont se séparer tout seul. Je vous expliquerai après pourquoi. Et là, tu peux mettre en route, Max, hein, si tu veux. Allez, c'est parti pour la fabrication des bonbons à la Mirabelle. Et voilà, les petits bonbons à la Mirabelle. Ouais, c'est pas possible.
Là, pendant 30 secondes, c'est parti. C'est pour vous. Je vous les fais goûter encore chaud. Et voilà. Alors, au fond, on refabrique des bonbons avec. Ou alors, on vous la vend comme ça en magasin. Allez, je vais redonner un petit tourton. Tu aimes? Tu aimes les oursons? Ouais. Oui, parce que c'est de la garaga. Non, mais il n'y a pas de prix. Je cherche le prix, moi. Ah non, 3,80. C'est le même prix que... Après, j'ai envie d'en prendre un parce que...